Salut à tous, c'est Cali. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite partie sur Bonfire Pix. C'est la sortie du jour, c'est un jeu de puzzle, d'énigmes un peu basé sur le Sokoban. Mais là, il va y avoir des petites variantes, donc on va essayer d'escalader une montagne et au passage de brûler nos affaires. Il va donc falloir faire très attention à ce qu'on va faire dans la mesure où il y aura pour chaque énigme qu'une seule façon de se créer un chemin. Et je vous propose de lancer sans plus attendre une nouvelle partie. Parfait. Donc là, nous sommes sur la montagne que nous cherchons à escalader, mais on ne peut pas tout escalader. Il va falloir se faire les différents niveaux. Et on va se faire le premier. Là, la solution est relativement simple, si je me souviens bien, voilà. Et grâce à ça, nous avons une caisse qui va nous permettre d'escalader. Et ensuite, on peut monter. Alors là, petite variante, c'est quelque chose que j'apprécie assez dans ce jeu-là, c'est que en fait, les nouvelles mécaniques sont organiques. Vous voyez que là, tout à l'heure, on a vu qu'il fallait passer sur les côtés. Là, on nous empêche de le faire et ça nous apprend qu'on peut monter à reculons quand on essaie des choses. Une nouvelle caisse, on va la récupérer. Alors, par contre, il faudrait que je me mette sur le côté dans. Voilà, c'est mieux comme ça. On va pouvoir monter et atteindre les niveaux suivants. Manipulation, donc là, le niveau nous apprend qu'on ne peut pas tourner quand ça nous bloque. Enfin, quand il y a vraiment des obstacles à côté. Il faut que le champ soit libre. Et j'ai fait une connerie. On va récupérer ça et on peut passer par-dessus. Et reculer. Le niveau suivant. Là, première fois qu'on a une caisse que l'on ne doit pas brûler. Si je me souviens bien, normalement comme ça on peut les séparer. Nickel. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Et on n'est pas obligé de se faire tous les niveaux à chaque fois pour pouvoir récupérer les caisses. Donc ici on a un escalier mais il n'est pas continu. Il va donc falloir essayer de compenser la marche au travers, enfin au milieu. Tac tac. Si je fais comme ça, je peux passer. Par contre là il manque ma caisse. On va récupérer ça. Je vais poser ça par-dessus. Et je vais essayer de viser les bonnes choses. Voilà. Normalement ça passe, par contre il faut quand même que je prenne mes affaires pour les brûler. La première caisse est ici, je vais me faire un peu de ménage, un peu de vide, et on va se faire les différents niveaux. Bon, celle-ci, on doit la brûler, donc en théorie c'est censé être la dernière qu'on va utiliser. Si je me souviens bien, on peut pousser les choses comme ça. Parfait. Je pose ça là. Et il va falloir se faire un escalier. Pour le moment, ça marche plutôt bien. Super. Alors, je vais juste vérifier un petit truc. Ouais, c'est bon. Donc cette caisse-là, on va la poser ici et on va se faire les autres niveaux. Alors là, c'est relativement simple. Voilà, c'est ça.
Et maintenant, je peux récupérer la caisse par ici. Et pour le moment, on crame bien. Non, là, il faut que je cale la caisse ici. Donc, je peux monter, mais je vais essayer de me faire un maximum de niveau. On récupère, on pose ça là, on récupère celle-ci et on la pousse. Cette caisse-là, je vais la mettre contre le mur histoire d'être tranquille. Décalage. Donc là, il va falloir que je pousse la caisse au-dessus et je vais pouvoir la faire cramer maintenant. C'est parfait. Je vais les poser là, je vais les stocker, j'ai fait tous les niveaux. Et notre première double caisse, alors il faudrait peut-être que je la prenne plutôt comme ceci. Et on va se faire l'island. Si je pousse cela comme ça, il va falloir que je décale ça. Et en plus, il va falloir aussi que je décale celle du dessus. Alors, c'est pas comme ça que ça va se faire. Bon, j'ai un peu raté le coche. Voilà, je vais monter ça comme ça. Je vais la prendre sur le côté. Maintenant, hop. Non, ici plutôt. Et là, ça devrait être mieux. Nickel. On a la première caisse. Je vais la mettre contre le mur. Et on va se faire les autres niveaux. Voyons voir. Donc là, il faudrait que je puisse monter par ici. Là, tout ça, ça me bloque. Donc je suppose que comme ça me bloque avec une caisse d'une case, si je prends une caisse de deux cases, ça va aussi me bloquer. Et je fais ça comme ça, je peux la poser là. Et ça me fait un escalier, donc il faudrait que je pose la caisse de mes affaires dessus. Alors hop, je vais reculer. Comme ça, enfin, je prends le tout et je remonte comme tout à l'heure. Je pousse et là, je devrais pouvoir tout cramer. C'est super. Nouvelle caisse à disposition. Et Great Expectation. Ah oui. Ce niveau-là, je me souviens de quand j'avais testé le jeu, c'était un enfer. Bah, d'ailleurs, je crois que j'avais pas réussi à le faire. Donc, l'idée serait peut-être de me faire quelque chose comme ça. Ouais. Si je fais ça comme ceci. Je vais monter à reculons. Enfin, c'est pas ce que je voulais faire. Et là, je lâche la petite caisse. Sans mauvais jeu de mots, le problème c'est que ce qu'il y a au-dessus, je ne l'ai plus en main, je ne le contrôle plus. Et comment je peux faire pour essayer de la pousser? Parce que si je mets ça là, je peux plus grimper. Je peux pas sauter naturellement. Alors, paramètres, il n'y a pas un endroit pour voir les commandes. Non. Ah si, juste au-dessus là. Grab, retour arrière, réinitialiser, horizontal, vertical. Caméra de panne, zoom caméra, caméra tilt. Non, il n'y a rien pour sauter. Ou quoi ou qu'est-ce. Bon là je les ai récupérés. Il faudrait donc que j'arrive à poser en fait la caisse de mes affaires sur le rebord. Et ensuite je la pousse. Comment faire ça ?
Le problème. Alors, je vais poser ça comme ça. Je récupère ça pour les dissocier. Et je vais récupérer mes affaires. Là, je ne peux pas. Si je fais ça comme ça. Ce que je voulais faire. Hop. Parfait. Là, je peux pas, ça coince. Pareil si je fais comme ça. Le problème qui va se poser. Ça, j'ai déjà testé comme ça. Je vais reposer ça comme ça et je vais dissocier à nouveau. Je vais poser ça là et ça, cette double caisse. Si je la remets comme elle était au début ici, maintenant je ne peux plus monter. Si je mets celle-ci, alors il va falloir quand même que je les dissocie. Là, je peux. Le problème, c'est que là, je peux grimper jusque-là, mais je ne peux pas récupérer ma caisse d'affaires à brûler. Je peux pas l'atteindre directement, a priori. Tac. Si je change ça comme ça, bah, ça change pas le fait que là, je peux pas grimper. Et j'ai gâché une caisse, donc je vais la récupérer, voilà. Comment je pourrais faire ça? Ça me pose vraiment souci, ça me pose vraiment des problèmes. Tac, tac. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Si je fais ça, je me retrouve là, mais naturellement, il n'y a pas assez de hauteur. La caisse là, je peux pas la faire basculer à la verticale. En tout cas, j'ai pas trouvé comment faire, si c'est possible. Bon, c'est pas grave, on va retourner au monde et on va essayer d'autres niveaux. Nog. Il y a différentes pièces comme ceci. Je vais en prendre une. Et je vais essayer de la mettre comme ça dans le trou. Non, ça ne passe pas. Ah, par contre, si je fais comme ça. Hop, là, je vais grimper dessus. Mais ça ne correspond pas à ce que je veux faire. Voilà, je l'ai poussé. Et maintenant, je vais essayer de grimper grâce. Oh merde. Donc, je vais plutôt y aller à reculons. Ça va m'éviter de faire des bêtises. Là, c'est bon, j'ai mon escalier et on va pouvoir grimper. C'est parfait. Cette caisse là, il faudrait grimper par ici, je pense. Je vais la caser là et on va se faire d'autres niveaux. Je vais mettre ça là et maintenant, par contre, le problème c'est pour mettre de l'autre côté. En fait, je vais d'abord la retirer. Je vais poser ça comme ça. Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Je vais la repousser. Je vais poser ça comme ça. Alors, ce serait plutôt dans l'autre sens. Il faudrait la poser. Parfait, par contre, oui, ça va pas passer si je la pousse. Et non, ça n'est pas ce que je voulais faire. J'ai plutôt annulé mes coups.
Je vais aller comme ça. Et là, je devrais reculer. Mais par contre, ce qui veut dire que si je fais ça comme ça devrait aller mieux. Par contre, le problème, c'est que si je lâche, je perds la caisse que je veux brûler. Je ne peux pas reculer. Et je ne peux pas me tourner dans l'autre sens. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais essayer de retourner ça comme ça. Là, je ne peux pas tourner. Si je descends comme ça, c'est pas bon non plus. Là, je suis un poil trop haut. Ah, mais si je fais comme ça, en fait. Non, ça ne fonctionne pas non plus. Et voyons voir comme ça. Avec un petit artifice. Et ben là, c'est plus assez haut. Et là, je ne... Ben, en fait, c'était simple comme bonjour. Le problème, c'est que maintenant, il va falloir que j'enlève l'autre. Si je recule, ça part avec. Là, ça coince. Bien, 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 bien. Si je vais là comme ça, je peux pas pousser. Je fais ça comme ça, je passe par-dessus. Là, ça ne passe pas. Ce que je vais tenter de faire, c'est de passer comme ceci. Hop, on va y aller à reculons. Et en fait, c'était aussi con que ça. Maintenant, hop, on enfourne ça. Et je vais pouvoir faire mon escalier. Enfin, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Mais en tout cas, on peut l'escalader maintenant. Ça, tu veux récupérer les autres niveaux. Mind the gap. Oh là, lui, j'ai de mauvais souvenirs aussi dessus. Le truc, c'est qu'ici, je ne peux pas brûler directement. Et ça, je ne peux pas la faire monter dans mon souvenir. Voilà, j'y vais à reculons. Là, si j'essaie de me tourner vers la gauche, je ne peux pas. Là, ça coince aussi. Par conséquent, si je veux la faire monter, il va falloir que je place ça comme ça. Là, je peux monter. Toutefois, le problème, c'est que je ne peux plus faire monter ça. C'est ça, là je coince, à gauche je peux pas me tourner. Si je fais comme ça, bah je peux plus escalader moi-même. C'est un petit peu problématique. Je peux pas aller me brûler moi-même. C'est plutôt bon à savoir. Et donc. Si je tente de faire quelque chose comme ceci. Je vais faire c'est comme ça. Et là, je peux pas me décaler sur le côté. Par contre, je peux faire ça comme ça. Et là, le problème, c'est que je ne peux plus monter. Ça va être vraiment problématique. Là, je peux grimper comme ça, mais le problème, c'est que j'ai pas ma caisse. Là, je me retrouve un peu dans la situation initiale. Pour
comment est-ce que je peux faire pour tout gérer? Donc, ce que je vais tenter de faire, je fais ça comme ça, clac, clac. Si je fais ça, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Là, je peux pas me tourner. Si je pousse ça comme ça, je peux plus rien faire. On va essayer de reculer comme ça et là. C'est comme ça que je veux faire. Hop, là j'avance, mais je ne peux plus remonter. Ouais, attention, donc. Je vais essayer de changer de niveau pour progresser. Bon, là, ça devrait être relativement simple. Il suffit juste que je me tourne comme ça et on peut brûler les deux en même temps. Donc le bois est conducteur, on va dire, conducteur du feu. Là, je devrais avoir ce qu'il me faut pour passer à la suite. Mais je vais quand même d'abord essayer de faire celui-là. Voyons voir. Là, si je monte, ici, comme il y a une diagonale, eh bien, ça me pose problème pour y accéder. Je suis un petit peu trop loin. Clac. Le problème, c'est que si je fais ça, je gagne pas en portée. Et... Alors, je vais déjà enlever... Je vais dissocier les deux caisses, si tu veux bien monter. Le problème, c'est que si je fais ça, je ne peux plus monter. Ou alors, il faut faire quelque chose comme ça. Non, ça marchera même pas, en plus. Et là, en fait, si je tourne, bah non. La caisse est complètement coincée. Si je fais comme ça, elle retombe. Comment je peux atteindre la caisse d'affaires? Voyons voir, voyons voir. Si je fais ça, normalement, bah, je gagne pas en portée, je passe même au-dessus. Et en plus, là, je fous tout dans l'eau. C'est pas terrible. Rien faire de ça en fait. Et si je le prends comme ceci, bah je perds une caisse, hein, c'est très con. Ok, je récupère tout ça, je vais essayer de les dissocier. Si je la prends sur le côté, là je peux me tourner comme ça. Par contre, je crois que j'ai trouvé un petit truc. Et je tourne comme ça. Voilà. Et c'est bon. Allez y aller très progressivement, l'un après l'autre. Par contre, je suis pas sûr que ça m'aide pour ce niveau-là. Je vais essayer de retourner le voir. Parce qu'en fait, il faudrait que je mette cette caisse-là sur celle, la double en bas, et que j'arrive à tout faire monter. Ce serait ça l'idée. Non. Ah bah oui, tu peux pas tout récupérer vu qu'il y a la hauteur qui bloque. Parce que si je fais comme ça, là, si j'étais au-dessus, je pourrais aller cramer comme tout à l'heure. On a vu que le bois, c'était conducteur. On va se poser et on va réfléchir. Comment est-ce que je pourrais faire pour les faire monter? Là, il y a quelque chose qui m'échappe complètement.
Là, comme ça, je peux pas du tout. Si je fais comme ça, bah, j'ai fait tout tomber. Si je fais ça comme ça, je peux monter, mais j'ai pas ma caisse. Tout ça est assez problématique. Là, je me retrouve comme tout à l'heure, bloqué. Ça. Alors, par contre. Alors là, ça va me bloquer. Donc, il faut que j'enlève ça. La caisse, je vais faire ça comme ça. Hop, hop. Clac, clac. Je vais me mettre comme ça. Je fais comme ça. Et hop. Ça remonte. Je la refais tomber, mais ça ne m'aide pas vraiment. On va essayer de voir ce qu'il y a par la suite. Au pire, j'ai encore quelques caisses de rab. Si jamais j'ai besoin. Alors, ça fait quoi? Ok. La case s'est effondrée sous mon pied, donc là, je suis bloqué. Il faut donc que je fasse tout d'un coup. On va recommencer du début, hein. Si je monte ça comme ça. Par contre, maintenant, le problème va être de dissocier les deux. Alors là, en essayant de tourner, la caisse du haut ne passe pas dans les flammes. Alors là, je suis retombé. C'est complètement débile. Je repose. Qu'est-ce qui pourrait m'être utile? Je n'ai pas ce qu'il faut pour pousser. Ah, et si... Je pense pas que ça fonctionne. Bah non. Là, j'ai même pas besoin de la caisse en bois, donc là, ça bloque. On va recommencer. Si je fais ça comme ça, ça ne fonctionne pas. Si je refais ça comme ça, là, il va falloir que je repasse là. Enfin, je peux pas la récupérer. Donc, je vois pas comment tout monter sans défoncer ça. Comment je peux faire? Bon, là, ça ne fonctionne pas. Non, je peux pas la rattraper au passage. Naturellement, je peux rien lancer. Sinon, ça aurait été trop beau. Non, ça bloque complètement, là. Bon, je vais retourner au monde. Voyons voir celui-là. C'est un mur. Naturellement, il y a deux cases de tubes qui vont s'effriter. Le problème, c'est que si je fais ça, ça diminue la hauteur. Et là, je ne peux plus vraiment monter. Là, je peux rien faire. Ça devient très embêtant. Là, je trouve pas comment faire. Ça commence à faire beaucoup de niveaux, je galère. Parce qu'en plus, là, comme il n'y a pas de double caisse, je peux pas essayer de faire une petite rallonge pour aller contourner et les poser. Parce que déjà, si je fais ça, bah là, je vais plus pouvoir grimper. Et en... Ah, j'ai peut-être une idée. C'est ça que je veux faire. On va poser ça là. Bah non, je crois que mon idée, elle va tomber un petit peu à l'eau. «
vu que là j'ai tout s'est effondré. Je suis allé un petit peu trop loin. Et comme j'ai pas de double chest, naturellement, je peux pas la pousser. Enfin, de toute manière, elle est pas assez haute pour être poussée. Mais attends. Suis-je un abruti fini? Bah non, le problème c'est qu'il faudrait pouvoir les empiler et tout récupérer. Sans détruire les trucs qui s'effritent. Comment je peux faire ça? Eh bien comme ça, tout simplement, je suis un idiot. Je suis un vrai idiot. C'est pas croyable. Bon, j'ai au moins une caisse dont je vais pouvoir atteindre la suite. Ah, est-ce que si je fais... Bah non, là, comme ça, je vais pas pouvoir la récupérer, en fait. Je me suis niqué tout seul. Ah, et en plus, si je marche dessus, ça la consomme toute... Ça consomme la case en bas. D'accord. Je fais ça, c'est pas un interrupteur. C'est bizarre avec... Ça ressemblait beaucoup. Là, je suis, en fait, bloqué. Mais ça m'aide pas. On va repartir du début. C'est que là, je me coince. Il faut donc que je consomme ça. Le problème, c'est que celle-ci, je peux pas l'atteindre et la préparer pour après. Comment est-ce qu'on peut faire? Ça va être très problématique. Voyons voir. Donc là, il faudrait que j'arrive à passer de l'autre côté. Le problème, c'est que... Oui, c'est peut-être comme ça qu'il faudrait faire. Le problème, c'est que là, je me retrouve complètement bloqué. Mais il y a peut-être une idée à creuser. Là, je peux passer, mais je peux plus la récupérer. Et de toute manière, il me faut les deux en haut, en fait. Comment je pourrais passer directement? En fait, je peux pas, en fait. Non. Voyons voir. Si je pose ça là comme ça. Là, c'est pas suffisant pour aller cramer la caisse. Je tombe d'ailleurs dedans. Si je fais ça, je tombe dedans sans possibilité de remonter. Le problème, c'est que comme ça, eh bien, je peux pas passer. Je suis obligé de consommer ce cube au premier passage. Si je fais comme ça. Et en fait, je suis un débile mental. Ah non, j'aurais dû le faire sur la case du bas. Comme ça, je peux passer sans consommer ce petit tube. Et je l'utilise pour remonter. C'était aussi simple que ça, en fait. Et comme souvent, c'est les plus simples qu'on ne remarque jamais. On met toujours du temps à trouver.
Et donc, là, je suppose qu'il va falloir faire comme ceci. Non, là, ça va me bloquer. Je pourrais pas grimper. Le problème, c'est que si je fais comme ceci et que je redescends, ça consomme la case du bas. Le problème, c'est que si je fais comme ça, je ne peux pas tourner et la pousser. Là, je peux rien faire. Clac, clac. Là, je peux même plus monter, en fait. Et si je fais un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je fais pas un escalier direct. Bah non, parce que si je monte comme ça, je consomme celle du milieu, et là, je me retrouve bloqué. Comme j'ai pas de double case, je peux pas faire de rallonge comme tout à l'heure pour essayer d'en pousser une. Ça va être un petit peu tendu. Ça, j'ai déjà plus ou moins testé. Eh, mais suis-je bête? C'est comme tout à l'heure, hein, on doit pas y aller d'un coup. Ah oui, non, mais en fait, je suis pas vraiment idiot parce que, en fait, ça... oui, mais il m'aurait fallu une caisse de plus. Et forcément, c'est pas très intéressant. Enfin, en tout cas, on n'a pas ce qu'il faut. On va recommencer. Voyons voir. Je vais faire ça comme ça. Là, je ne peux pas grimper. Je vais essayer de prendre celle-ci comme ça. Je vais essayer de faire un petit artifice pour le moment, en fait. Pour le con. Enfin. Oui, j'avais oublié ce petit point de détail. Celui de la case du milieu qui s'effrite si je redescends, même avec une caisse en intermédiaire. En fait, faudrait que j'arrive à les poser tous les deux, toutes les deux, sans m'arrêter, enfin, d'un coup, pratiquement. Si je la pose là, je pourrais pas la repousser par après. Si je fais ça comme ça, bah je peux pas poser de caisse par-dessus. Mais est-ce que par hasard je serais pas un idiot en fait? Je crois bien que si. Je crois totalement que si. Voilà. Si j'appuie pas sur les bonnes touches, ça sera pas terrible. La chaîne est laid. Ici, il faut récupérer ça. Ah mince, je crois que j'avais une double caisse. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc là, par contre... bah en fait, je crois que c'est tout bon là. Ah bah non. Bah non, bah non, bah non. C'est pas bon du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est récupérer ça. Je vais poser une caisse. Je vais en mettre une ici. Non, il me faut toutes les caisses, en fait, en haut. Parce que là, c'est bien gentil. Mais si je fais ça, comment je monte en haut?
Voyons voir. Je vais faire ça comme ça. Je pousse. Le problème, c'est que si je fais ça, je peux pousser. Ah oui, mais je peux monter comme ça. Parfait. Enfin, un niveau où ça n'a pas été trop galère. Où j'ai pas trop galère. Endroit sûr. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc je vais essayer de contourner comme ceci. Je vais faire comme ça. Et on avance là. Par contre, maintenant, ça veut dire que je ne peux plus récupérer la caisse dont j'ai besoin. Quel serait le cheminement? Est-ce que je peux passer derrière la colonne? Non. Je fais comme ça. Je récupère ça comme ça. Ah non, je vais faire comme ceci. Et non, là je suis complètement bloqué. Si je fais comme ça, ça me... Je pense pas que ce soit très très intéressant. Bah non, là je peux même plus ressortir en fait. Quel serait le meilleur cheminement? Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais ça n'avait pas fonctionné des masses. Ah. Oh non, le con. Si je récupère ça comme ça, bah, j'ai perdu la caisse qui m'intéressait. Et maintenant, je récupère les deux. Par contre, maintenant, comment je les dissocie? Je ne peux pas les dissocier. Donc, en fait, je peux pas les faire passer en même temps. Et comment je peux garder au tout début les deux entrées? C'est que là, la caisse en bois avec mes affaires, je vais la perdre. Si je mets à reculons, la caisse va rester en haut. Là, je ne peux plus avancer. Enfin, je pourrais plus revenir. Si je fais comme ça, je perds ma caisse. Là, je peux plus reculer. Bonsoir Santis. Donc là, comme tu peux le voir, je suis sur un jeu de puzzle. Et il y a un sol qui s'effondre quand je marche dessus, et ça m'embête un petit peu.
le but du jeu, c'est d'emmener la caisse que tu vois au centre de l'image sur la colonne, dans le bras zéro. La difficulté du niveau, c'est tout simplement que le sol au milieu, comme tu as pu le constater, s'effrite, donc il faut trouver la bonne marche à suivre. Si je fais comme ça... Là, en fait, j'ai complètement défoncé mes chances de sortie. Je pense que ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire au début. Je récupère ça. Le problème, c'est que là, la caisse de bois, comment je la récupère? Que si je fais ça... comme ça. Là, je perds la caisse que je veux. Si je me retourne comme ça, je peux récupérer les deux. Le problème, c'est qu'il va falloir les dissocier. Et je ne peux pas le faire sans artifice. Il faudrait que je puisse prendre un peu de hauteur pour prendre seulement celle du haut. Ou alors que j'en ai une autre pour pousser celle du haut. Bon, j'ai déjà pas mal galéré sur celle-ci. On va tenter un autre niveau. On y reviendra peut-être plus tard. Je parlais de pont fragile. Donc là, que je vais tenter de faire comme ça. Non, je pense qu'il faudrait d'abord plutôt, hop, là je récupère le tout, j'assemble et je passe, je vais poser ça là, là je prends les deux. Le problème, c'est qu'il faudrait que j'arrive à enlever seulement celle du haut. Eh bien, je crois que j'ai trouvé une piste. Je vais poser ça là, comme ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Là, parfait. Je pousse ça comme ça, et je peux passer. Et ça devrait être bon. Super. Donc là, j'ai débloqué une caisse. Par contre, où est-ce qu'elle va pouvoir m'être utile? Je sais pas, je vais la laisser en bas pour le moment. Et on va se faire ce niveau. Donc ça, c'est du sol qui s'effrite. Donc là, pour le moment, j'ai l'impression qu'il va falloir faire passer tout ça comme ça. Ah oui, le voilà, le piège. Forcément, ces développeurs sont fourbes. Là, je me rebloque. Si j'avance, ça tombe forcément à l'eau. Je vais poser ça là. Si je fais ça comme ça, eh bien là, j'ai les colonnes qui m'empêchent de tourner. Je ne peux donc pas passer. Si je fais ça comme ça, là, quand je tourne, je perds la caisse. La perfidie! Si je fais ça comme ça, là, je suis obligé de pousser la caisse et de la faire tomber dans la flotte. C'est assez complexe. Je suis sûr que la solution est complètement conne, assez simple.
Mais comme d'habitude, c'est quand c'est simple qu'on galère le plus. Faudrait donc que j'arrive à les faire passer une par une sans les perdre. Ça m'a l'air bien compliqué. Là, si j'avance, je vais les pousser dans l'eau. Je suis obligé de les prendre tous les deux en même temps. Là, je ne peux pas bouger. Sinon, j'en perds une. Et il va me falloir les deux pour escalader à droite. Je fais comme ça, je ne peux pas bouger à cause des colonnes. Là, je sèche complètement. Bon, on va essayer de refaire un autre niveau. Ok. Il va donc falloir que j'effrite les tubes de façon à me faire un escalier. Je vais essayer de faire ça comme ça. Je crois que je suis en train de faire de la merde. Quoique. Non, en plus ça passe nickel. Bon là c'était relativement simple. On va bien voir ce que ça va donner. Là pour escalader. Où sont les niveaux suivants? C'est ici. Il va donc me falloir une caisse là. Ah, il va m'en falloir d'autres, donc je vais aller récupérer celle que j'avais. Heureusement, on peut ne pas faire tous les niveaux et ça nous permet quand même de progresser. Bon, là, il va falloir que j'en retrouve une que je n'avais pas utilisée auparavant. En espérant que je puisse... Ah bah non, ici, ça va bloquer. Il va donc falloir que je termine l'un des niveaux ici. Revoyons voir celui-là. Donc que je fasse tout à partir du safe spot. Clac. Clac, clac. Là, j'ai tout ramené, mais par contre, je veux pas les dissocier. Quel cheminement je pourrais faire? Si je pars comme ceci, bah je vais défoncer beaucoup trop d'accès à la case du milieu. Faudrait mieux que je les garde pour le retour, je pense. Le problème, c'est que comme là, j'ai plus qu'une case de sortie à droite, il faut que je l'utilise avec beaucoup d'intelligence. Parce que là, je suis en train de me bloquer complètement. Je ne peux plus récupérer l'autre. Si je fais ça comme ça, bah non, là je suis complètement bloqué.
Si je descends ça comme ça. Le problème, c'est que si je descends, je perds la caisse. Le souci, c'est que comme je la porte, je peux pas pousser celle du bas. Ce niveau-là m'embête vraiment. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Si je fais ça comme ça directement, bah je consomme la plupart des entrées, enfin des accès au point à la case qui est sûre. Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. Mais je suis sûr que c'est juste une manœuvre pour poser et reposer les caisses. Et ben voilà, je crois que c'est fait. Je me suis débloqué. J'essaie de tout faire en ligne droite alors qu'il fallait utiliser, on va dire, une sorte de virage. Parfait, voyons voir ces nouveaux niveaux. Ok, mais là... Là, je prends les deux en même temps. Et je fais ça... Voilà, comme ça, je peux les séparer. Là, je vais le mettre ici, comme ça va rester en hauteur. Ah non, je pouvais encore avancer d'une case. Ouais. Mais par contre là, il va falloir que j'utilise les deux doubles caisses pour reprendre de la hauteur en fait. Je vais essayer de faire comme ceci. Là, je suis pas sûr de réussir à pouvoir la récupérer. Non, c'est trop loin. Là, c'est pas suffisant non plus. Là, je peux pas me tourner. Là non plus. Là, je peux, mais je perds tout. Et je n'en prends qu'une. Ça, c'est donc ce que j'avais fait tout à l'heure. Là, je peux pas la porter. En tout cas, pas d'ici. Là, je peux pas remonter. Là, je peux pas tourner. On va reprendre depuis le début.
faudrait que je puisse l'aider d'y aller. Ça c'est fait. Faudrait que j'arrive à en prendre une pour l'envoyer là-bas. Et comment est-ce que je peux faire ça? Faudrait peut-être que je fasse plutôt comme ça. Non, je vais être trop loin de toute manière là pour la récupérer. En attendant, je fais ça comme ça, je vais me retourner. Voilà. On récupère ça comme ça. Je vais cette fois-ci prendre ma caisse d'affaires de ce côté-là. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Là, je peux pas reculer, ça me bloque. Je vais la mettre dans le coin ici. Je l'ai un petit peu mise trop dans le coin. Là, ça ne fonctionne pas comme je le voudrais. Là, je vais les rempiler parfaitement comme elles étaient au début. Là, je peux rien en faire. Là, je remonte ici, mais le problème, c'est que je peux toujours rien faire ici. Clac, clac. Qu'est-ce qui m'échappe? Et si j'essayais d'utiliser cette caisse-là, il va falloir que je recule pour essayer de la remettre en bas. Bon, j'ai un petit peu trop reculé. Et voyons voir ça. Si je fais un truc comme ça, là je ne peux plus la pousser. Il faut que je fasse gaffe. Là, je pourrais rien en faire de toute manière. Surtout de cette manière. C'est toujours trop loin, comme tout à l'heure. Faire passer ça comme ça. Maintenant, si je fais ça comme ça, toujours pas suffisant de toute manière. Je vais tenter un des autres niveaux accessibles. Donner et recevoir. Bon, là, j'ai pas l'impression qu'il y ait de sol qui s'effrite. Là, c'est une double caisse. Par contre, là, je me suis bloqué.
je me suis bien bloqué. Il va donc falloir que je sors ça ici. Et là, ça ne change rien pour cette pièce-là. Là, je peux plus grimper. Si je fais ça, je peux plus attraper la double caisse. En fait, la double caisse, il faudrait que j'arrive à la mettre ici. Comme ça me fait un petit promontoire pour atteindre l'escalier à droite. Mais comment je peux la retirer? Si je fais ça, je la pousse et je la fous dans l'eau. Là, je peux pas tourner, je suis complètement bloqué. Là. Et si je fais simplement comme ça, en fait. Le problème, c'est que maintenant, cette caisse d'affaires, je ne peux plus la récupérer. Si je recule, d'accord. Qu'est-ce qui m'échappe? Voyons voir, si je fais ça comme ça. Problème, c'est que là, je peux plus les dissocier. Là, je peux grimper, mais je ne peux pas récupérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette caisse d'affaires à brûler. Si je fais comme ça passe quand même beaucoup mieux en fait. Enfin, j'ai réussi! Ça me fait une caisse, je vais la mettre ici et je vais tenter de faire les autres niveaux. J'ai deux. Oh, deux doubles caisses! Par contre, qu'est-ce que je peux en faire? Ah non, il y a une autre double caisse au-dessus. Avec la caisse des affaires. En fait, il va falloir que je la pousse. Comme ça, les deux caisses vont tomber dans le brasero. Pas le problème, c'est que je peux pas reculer. Voilà. Donc, l'idée, ce serait de faire quelque chose comme ceci. En restant en bas, s'il te plaît. Si je fais comme ça, je suis un poil loin, ça ne fonctionne pas. Ma caisse est même trop haute. Si je fais comme ceci, le problème c'est que là je ne pourrais plus monter. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Là, je me suis coincé. Là, je peux pas retirer les deux d'un coup.
Non, c'est pas ce que je voulais faire. Comme ceci, je passe sans embarquer celle du dessus, mais là, je peux toujours pas monter, en fait. C'est ça le problème qui m'a coincé tout à l'heure, et là, j'ai couru dans le même piège. Voyons voir, donc. Si je pose ça là, comme ça, pour la récupérer plus tard. Je fais ça comme ça. Là, le problème, c'est que il faudrait que je puisse pousser de deux cases. Là, elle est bien encadrée, enfin, elle est bien alignée avec la double caisse qu'il faut pousser. Mais alors là, par contre. Et ça, bah là, ça bloque, c'est joli, mais ça sert à rien. Là, c'est pareil. Là, ça tombe au sol. Là, c'est bien aligné, mais ça va retomber au sol. On va essayer de reprendre un peu depuis le début. En faisant comme ça. Je peux pas reculer parce que sinon je tombe. Non, on peut pas tomber, mais c'est l'idée. De toute manière, je suis bloqué. Je fais ça comme ça. Là, je peux faire ça, mais ça n'est pas forcément très utile dans la mesure où ça me fait perdre ma caisse. Je peux pas avancer. Si je la recule, je la fais tomber. Voilà qui n'est pas très intéressant. Voyons voir. Alors, je vais essayer de m'écarter un petit peu du mur comme ça. Alors là, ça pose problème. Oh, je vais plutôt reculer ça comme ça. C'est pas dans cet angle-là que je voulais faire. Là, oui, ça part pas du tout dans le bon sens. Donc, ce que je vais faire, plutôt comme ça. Et là, c'est un poil trop haut. Là, c'est bien aligné, mais je n'ai pas de quoi pousser. Et je ne peux plus monter. Bon, on va essayer de se rafraîchir la mémoire sur un autre niveau. On a une double caisse, deux caisses simples, plus la caisse à brûler. Voyons voir déjà des stratégies relativement simples. Là, ça pourrait être pas mal. Le problème, c'est qu'il va falloir
maintenir ça en hauteur. Le problème, c'est que si je fais ça, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire un bel escalier. Mais je peux pas grimper. Enfin, je peux pas brûler mes affaires. Là, je n'ai pas du tout ce qu'il faut non plus pour la faire grimper en haut et essayer de la pousser par la suite. Voyons voir. Je vais essayer de mettre ça sur cette double caisse. Je fais ça comme ça. Et là, je vais tout faire tomber dans l'eau. Je vais passer de l'autre côté. Et si je fais ça, là, je peux plus grimper. Qu'est-ce que je pourrais pas faire? Enfin, plutôt, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais plutôt passer de l'autre côté. Si je fais ça comme ça, je peux grimper. Le problème, c'est que on a déjà essayé tout à l'heure, ça ne fonctionne pas. C'est ce que je viens d'essayer. Alors, il parle de maintenir le cap dans le titre du niveau. Comment est-ce que je peux faire tout ça? Le problème, c'est que si je fais ça comme ça, là, je peux pas monter. Si je me retourne comme ceci, je vais pas pouvoir monter non plus. Je fais ça comme ça, c'est comme tout à l'heure. En fait, je peux me faire un bel escalier si je pousse pas les choses dans l'eau. Le problème, c'est que bah il manque la caisse que je voudrais brûler. Là, je vais mettre une caisse ici déjà. Escalader, c'était encore pire que tout à l'heure. Bon, on va essayer de changer de niveau. Décidément, c'est devenu assez dur. Pipeline. Là, j'ai réussi à la pousser.
Je vais reculer ça. Là, je peux pas la pousser non plus. Je vais faire ça comme ça. Et là, il faut vraiment que je pousse tout ça à fond. Le problème, c'est que là. Ah bah en fait j'avais pu la pousser comme ça, là elle est hors de ma portée. Avec cette caisse là. Là j'ai pu pousser l'autre caisse. Si là, je fais comme ça. Je pense donc qu'il faut faire une sorte d'effet domino. En refaire la même ici. Et là, c'est pas mal. Par contre, là, je peux plus tourner. Enfin, je peux pas recommencer. Oh, je crois que j'ai trouvé une petite idée. Mon idée c'était de la merde. Là je peux plus monter. Comment je peux faire que je peux pas encore les pousser. Là, ça ne fonctionne pas. C'est un poil trop loin. Le problème, c'est que si je fais ça, je ne peux plus monter et passer de l'autre côté. Ah mais je suis bête si je fais ça comme ça. Ah bah non. C'est dommage, il me manque une case de portée. Il n'y a vraiment aucune autre caisse que je puisse utiliser. Là, elle est trop loin pour que je puisse la récupérer. Et de toute manière, en fait... Est-ce que j'ai pas fait une bêtise parce que le bras zéro il est en haut en fait? Je me demande si je me suis pas embarqué dans une mauvaise direction pour résoudre le niveau. Si je fais ça, non, mais en fait, le problème là, il y a la cloche qui me bloque en fait. Donc, j'ai l'impression que pour résoudre le niveau, il faut que je fasse tout passer à droite, le récupérer pour ensuite monter. Eh bien, ça promet. Ici. Par contre, il faudrait peut-être que je la prenne plutôt par ici. Non, ça n'a pas fonctionné. Pas comme ça. Ça sera mieux comme ceci. En fait, là, je suis en train de repartir de la même manière que ça m'avait bloqué tout à l'heure. Le problème, c'est qu'avec les caisses d'une case, là, les cubes simples, ça ne me permettrait pas de pousser comme le fait la double caisse.
Là, j'ai fait ça. J'avance comme ça ne permet pas de faire grand-chose. Là, je ne peux rien faire. Je vais repartir depuis le début. Le problème, c'est que comme on n'a qu'une double caisse, on ne peut pas vraiment faire d'escalier pour passer à droite. On l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas passer de caisse au-dessus. Je vais retenter une autre nouvelle fois, mais voilà, non, c'est bien vrai, ça coince. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, d'envoyer la caisse d'affaires en premier. Ce que je voulais faire. Déjà, il faudrait que je dissocie ces deux-là. Je vais mettre ça comme ça. Celle-ci, on va la repousser un peu comme ça. Là, on pousse. Le problème, c'est que de toute manière, si je fais ça comme ça, je perds celle-ci et je peux pas atteindre l'autre. Bon là je sèche complètement, on va essayer d'en faire un autre. Là franchement le jeu il est en train de me mettre assez cher. Ok. Ma caisse est ici. Qu'il faudrait faire. C'est une sorte d'escalier. Sauf que si je m'y prends comme un pied, ça va pas le faire. En gros, si je me mets comme ça, il faudrait que je l'attrape par la caisse de gauche, si on peut dire ça comme ça. Ouais, mais là, je ne peux plus grimper. Et par contre, je vais enlever ça. Je fais ça comme ça. Là, je peux toujours pas grimper. Mais alors, mais comment faire? Ouh, je sens que ça va me casser les bonbons. Il faudrait pas que je les fasse comme ça. Elles sont dissociées. Là, on voit juste au-dessus, il y a le bras, enfin une sorte d'escalier. Il faudrait essayer de jouer avec, je pense. Mais comment faire? Je l'ai fait tomber. Cette pièce là, c'est pareil, je vais la faire tomber.
Donc je peux pas monter. C'est ça le problème. Il va falloir que je le fasse indirectement ou quelque chose dans le genre. Et là, je ne peux plus la soulever. Oh mais dis donc. C'est bien gentil tout ça. Le problème, c'est que comment je peux faire? Là, je peux grimper comme ça. Ok, j'ai peut-être trouvé une idée. Alors ça, par contre, celle-ci, il va falloir que je la redécale. Comme ça, c'est monté ici déjà. Par contre, comment je peux la récupérer? C'est que là, je ne peux plus monter. Je pense pas que ce soit la bonne solution à faire. Je ne peux pas reculer. Ouais, il me manque vraiment des choses. Voyons voir ce qu'il me reste d'autre comme niveau là. Il y en a deux autres à tester. Pilier qui supporte. Pilier porteur. Là j'ai 4 caisses à ma disposition. Ça, ça ne s'effrite pas. Et en haut il y a une double caisse. Si je fais ça comme ça. De pouvoir récupérer la double caisse. Allez hop. Par contre, avec la caisse juste en dessous, comment je la récupère? Ça, c'est problématique. Le problème, c'est comment je récupère la double caisse. Si je ne mets pas de caisse ici. Je peux pas récupérer celle de mes affaires. Elle est passée où la caisse? Bon, je vais éviter de la faire brûler. On va faire ça comme ça.
Le problème, toujours cette caisse là qui est en contrebas, que je peux pas récupérer. Et qui me pose problème. Mais si je me gourre pas, il me faut d'abord récupérer la double caisse pour pouvoir les récupérer la caisse de mes affaires. Le problème, c'est comment je récupère la double caisse sans poser en contrebas. Là, ça va tomber dans la flotte. Là, je tombe et je peux plus remonter à droite. Je peux pas récupérer la caisse à droite. Eh bien, dis donc. Je vais refaire l'autre niveau. Enfin, je vais le tenter. Ok, donc... Il y a ma caisse d'affaires en haut à droite. Voyons voir ce que je peux faire au-dessus. Eh bien, pas grand-chose. Ah si, je peux quand même sortir cette caisse-là. Par contre, le problème maintenant, c'est comment je passe. Là, je peux plus atteindre la grande colonne. Là, je peux pas reculer. Si j'avance, ça fait comme ça. Là, je peux pas faire grand chose. Il doit y avoir une mécanique qui m'a échappé. Là, c'est comme tout à l'heure. Enfin, quoi que non. Mais je suis quand même bloqué. Et bah, c'est vraiment la grosse cagade. Je suis perdu. Là, je me retrouve complètement bloqué. Il n'y a aucun des niveaux que j'arrive à... Vraiment, pour aucun niveau, je trouve de solution. Je vais me refaire une petite session avec les différents niveaux. Je vais tenter une dernière fois, on va dire. Ah oui, lui c'était celui-là. Donc là, on avait dit comme ça pour les décaler. Maintenant, je peux les dissocier. Je vais récupérer ça ici. Maintenant, il faudrait que j'arrive à tout faire passer sur l'autre île. Enfin, au moins une double caisse. Le problème, c'est que comme ça, ça ne passe pas. Si je récupère la deuxième. Comme ça, c'est pas assez loin. Et en plus, ça ne fonctionne pas. Là, en plus, je fais tout tomber dans l'eau, ça ne m'intéresse pas.
peux me déplacer facilement ici. Je peux pas les récupérer par là. Ça, c'est comme l'un des premiers niveaux. Je pouvais passer comme ça. Le problème, c'est ces grosses caisses en fait. Là, je peux passer ici, mais je les ai fait tomber. Je vois pas ce que ça m'apporte. Là, je peux toujours pas bouger. On va essayer un autre niveau. C'était celui-là. Donc, dans l'idée, il y a trois doubles caisses. Il y en a une qui porte ma caisse d'affaires. Je ne peux pas la récupérer directement. Il faudrait donc que j'arrive à pousser cette caisse-là. Ça serait la solution la plus simple. Le problème, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'était que si j'arrive à empiler les deux en bas, alors on va faire ça comme ça, hop. Alors c'est pas comme ça qu'il faudrait le faire. C'est plutôt comme ça. Le problème, si je pose ça là, comme ça, alors là, c'est pas dans la bonne direction. Il faudrait que je prenne ça comme ça. Et on a une case. On est trop loin même de deux cases, vu qu'il faudrait la pousser. Là, je vois pas vraiment ce que je peux faire, en fait. Si je fais ça, en fait jamais ça va tomber. En fait, il faut que j'utilise les marches. Ah, attendez, j'ai peut-être une idée à la con. Non. Parce que en plus, on peut pas les faire passer à la verticale. Descendre comme ça, je vais le récupérer. Hop. Là, je peux rien en faire d'intéressant. Là, je peux plus remonter. Là, c'est bien aligné. Mais je peux pas faire grand chose de plus. Et surtout, je peux pas récupérer ça dans l'axe. Non, là, c'est encore trop. Bon, on va essayer de passer au niveau suivant. Ce sont ces quatre caisses, enfin, trois caisses. Le problème, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'était que là, si je fais ça comme ça, là, elle va tomber, donc ça ne me sert à rien. Là, il va me falloir une caisse supplémentaire. Le problème, c'est que pour faire l'escalier, bah, il va falloir ma dernière caisse, mais ça ne m'intéresse pas de l'utiliser en escalier.
En les balançant à la flotte que je vais réussir. Ça, je verrais bien quand même cette pièce-là aller d'abord ici. Ça, on avait vu tout à l'heure que c'était pas fameux. On peut atteindre le bras zéro, mais sans la caisse qui nous intéresse. Là, il y a vraiment un truc qui m'échappe dans ces niveaux-là. Le pipeline. J'avais essayé d'envoyer celle-ci en premier lieu, mais je n'avais pas réussi à la pousser jusqu'au bout, donc j'arrivais pas à récupérer les choses. Faire tenter un peu comme ça. Non, c'était pas la bonne façon de faire. Hop, on pousse ça comme ça. Là, en faisant comme ça, j'ai pu la repousser d'une case. On pousse ça ici aussi. On avance encore une fois. D'abord, on pousse. Et maintenant, on envoie au fond. Le problème, c'est qu'ici, je ne peux toujours pas récupérer. Par contre, question ultra con. Non, là c'est beaucoup trop loin, je ne peux rien en faire, je peux pas avancer. Ah, je me demande si... Voyons voir. Je fais ça comme ça. Là, je pousse ça comme ça. Oui, non. Je suis allé un petit peu trop loin. Eh bien, ça va peut-être sauver un peu la partie. Hop. On se tourne. Comment ça, là, je peux pas... Ah oui, d'abord que je passe par ici. Et maintenant, on tourne ça comme ça et je vais pouvoir la récupérer. Je vais tenter ça comme ça. Ouais, mais il va quand même falloir que je récupère le tout à droite. Parce que là, si je fais ça... Ok, je récupère celle-là, mais le reste. Et je peux pas y retourner. Hop. Clac. Là, j'ai tout envoyé au fond. Là, ça passe pas. Le problème, c'est que si je fais ça, j'aurai jamais... Il me faudrait deux doubles caisses pour pouvoir atteindre l'endroit à droite. Bon. J'ai trouvé une nuance qui m'a permis d'approcher de la solution. Mais c'est pas encore ça. Voyons voir. Hatch. Hatch. Allez, on tourne tout ça. Là, c'est hors de portée. Donc, ce que je vais faire, je vais envoyer une deuxième caisse. Et je vais pas envoyer la troisième. C'est pas comme ça que je voulais l'envoyer. Et maintenant les deux sont hors d'atteinte depuis là où je suis. Si je fais ça, ça va pas m'aider à aller à droite.
En faisant ça, je peux renvoyer l'autre droite. Bon, je peux pas retourner les chercher. Voilà qui est embêtant. Il me faudrait deux caisses en fait là-bas à droite pour pouvoir remonter et faire des allers-retours. Et comment je peux les faire passer? J'en ai déjà fait passer une. Même si j'avais ce que j'ai, je vois pas comment je pourrais les faire passer. Là, si je lâche tout, je vais dans l'eau. Enfin, ça va dans l'eau. Là, je peux plus grimper. Là, là c'est comme tout à l'heure. Hein. De toute manière, je peux pas tout récupérer. Qu'est-ce là dans diagonale, je ne peux pas. Oh. Échafaudage. Alors, ça, j'ai bien compris le principe. Mais quand même. Faudrait peut-être plutôt commencer par faire la seconde à côté comme ça. Hop. Il aurait fallu hop. Voilà comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu la prendre. C'est plutôt par ici. Et là, je vais récupérer cette caisse-là. Pas comme ça. On recule, je me retourne. Je passe là, comme ça. Si je fais ça, je peux récupérer, enfin la poser. Toutefois, il faudrait que j'arrive à remonter tout ça. Le problème, c'est que là, je ne peux plus grimper. Là, je lâche tout dans l'eau. Là, je sèche complètement. Bon Dieu, mais qu'est-ce qui m'échappe? On a vu que pour pouvoir accéder, il fallait faire quelque chose comme ça. Le problème, c'est que eh bien, celle de la caisse du bas, je ne pouvais plus la récupérer. Et donc, je ne peux pas utiliser la double caisse pour essayer d'aller récupérer cette caisse d'affaires à brûler. Par contre, comment je peux faire ?
Là, il va me manquer des doubles caisses. Là, je me suis coincé. Pas monter sur le brasier, ce serait trop beau. Et de toute manière, comme il est décalé par rapport à la plateforme en haut à droite, bon, si je fais ça, ça va dans l'eau. Là. Là, je me coince. Là, c'est la même. Je peux pas la récupérer cette pièce là. Bon, voyons voir le dernier niveau. C'était celui-ci. Là, bah, j'ai tout perdu. En fait, je peux pas faire grand chose avec ça. Depuis le haut. Ici, je peux que faire ça en fait. Le problème, c'est que si je fais ça, je casse la pyramide. Le problème, c'est que je pense qu'il ne faut pas la casser. C'est pas vraiment une pyramide, mais enfin, cette colonne, je ne peux pas récupérer au vol. Là, je peux vraiment rien faire. Je peux pas les dissocier, je suis obligé de prendre. Là, pas tourner, c'est pareil par là. Là, je peux faire que ça. Mais qu'est-ce que je peux en faire? Si je retente. Là, je me retrouve complètement coincé parce que je peux même plus me déplacer comme j'ai fait tout à l'heure pour passer en dessous. Bon, bah là, je crois que le jeu m'a vraiment séché. En tout cas, ça fait pratiquement 2 heures que je joue. Le jeu est plutôt sympa, mais assez ardu. Et en fait, les mécaniques se rajoutent vraiment petit à petit, et faut réussir à comprendre ce qu'on nous demande. Et c'est là où j'ai des problèmes, je pense, parce que c'est assez subtil. Les petites variations de mécanique, les petites subtilités, enfin, c'est vraiment par petites touches, et donc, on a déjà l'impression de savoir ou de l'avoir testé, mais ça nous échappe, et il faut parfois mettre juste une l'orientation d'une caisse dans un sens ou dans l'autre, ou changer d'ordre en fait. Et c'est assez enfin, là en tout cas je pêche pas mal, je sèche assez sur les différents niveaux que je viens d'essayer. Enfin, en tout cas, j'espère quand même que ça vous aura intéressé, que vous aurez passé une bonne soirée, et moi je vais vous dire bonne soirée et bonne nuit, en espérant que les prochains lives soient sur des jeux auxquels dans lesquels j'arrive à progresser de façon plus fluide. Bonne nuit à tous.